Bonjour, l'objet de cette leçon est de voir comment enregistrer les dépréciations sur stock à l'inventaire. L'application du principe de prudence oblige les entreprises à enregistrer une dépréciation sur stock quand l'inventaire permettra de constater un amoindrissement de valeur de certains stocks, stocks de marchandises, de matières premières ou d'autres approvisionnements par rapport à leur coût d'achat, stock de produits finis et en cours de production par rapport à leur coût de production. Illustrons cela à partir de l'exemple suivant. Le 31 décembre, N, l'entreprise Bureau Déco recense les stocks devant faire l'objet d'une dépréciation. Nous avons des stocks de matières premières et des stocks de produits finis. Nous connaissons la dépréciation enregistrée lors de l'exercice précédent et la dépréciation que nous devons constater dans la comptabilité lors de l'inventaire de la dernière année. Nos écritures vont s'effectuer en deux étapes. Tout d'abord, nous allons annuler la dépréciation enregistrée l'année précédente. Au débit, nous allons utiliser des comptes 39. Dépréciation des stocks et en cours afin d'annuler la dépréciation constatée les années précédentes en comptabilité. Ici, nous utiliserons le compte 391 dépréciation des matières premières pour annuler la dépréciation relative aux matières premières et pour les produits finis, le compte 395 dépréciation des stocks de produits finis. Au crédit, la reprise sur dépréciation représente une diminution de la perte attendue. Elle s'analyse donc comme un produit d'exploitation qui s'enregistre dans le compte 781-73, reprise sur dépréciation des actifs circulants, stocks et en cours. Dans une deuxième étape, nous allons constater la dépréciation de l'année et enregistrer les montants qui sont ici. Pour enregistrer cette dépréciation, nous allons utiliser au débit un compte de charges d'exploitation, car les dépréciations de stock concernent l'activité courante de l'entreprise. Ici, le compte 681-73, dotation aux dépréciations des actifs circulants, stocks et en cours. Nous allons ensuite créditer des comptes de classe 3 afin de diminuer le solde des comptes enregistrant les stocks. Nous reprenons bien évidemment les comptes 391 et 395. Nous retiendrons donc que concernant les stocks, pour enregistrer nos dépréciations, il nous faudra tout d'abord annuler en totalité la dépréciation de l'année précédente, puis constater celle de la dernière année.